La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère, mort et ressuscité pour nous donner la vie, élevé au ciel pour nous rendre libres. Amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce culte en ce jour 14 du déconfinement progressif. Ce matin, nous nous arrêtons. Nous n'oublions pas les soucis de notre vie ni les angoisses du monde. Nous ne les mettons pas de côté. Au contraire, nous les portons avec nous et venons les présenter devant Dieu. Mais nous nous arrêtons pour prendre le temps de faire une pause dans l'agitation de nos vies, dans le tumulte de nos préoccupations. Des questions, nous en avons. Des deuils, nous en avons. Des peurs et des appréhensions, nous en avons aussi. Mais nous avons aussi des sujets de joie et de reconnaissance. Des raisons de rendre grâce, nous en avons aussi. Nous nous arrêtons pour nous rassembler au nom du Seigneur, grâce à ce culte virtuel sur le site internet, et nous croyons, chacun à notre manière, que le Seigneur ressuscité est présent parmi nous. Il entre dans nos espaces fermés, calfeutrés, protégés, et il donne à chacun et à chacune son souffle de vie. Adressons à Dieu cette prière de louange. On dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent, le soleil. On dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offres ces voix, ces compagnons et ces mains, alors, au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ses frères parole et présence. Béni sois-tu, ô mon Dieu. Avec le psautier français, nous vous invitons à vous unir par le chant du psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle », et nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Thank you.
nous prions avec ces mots de Michel Wagner. Ce n'est pas tellement ton regard, Seigneur, que je crains, mais d'abord celui des autres. Tu n'as pas d'illusion sur moi, et j'essaye de ne pas en avoir non plus. Entre nous, les choses sont claires. Hors de la grâce, je suis perdue. Mais les autres, tous ces autres qui me voient vivre et trouvent que j'ai piètre mine à me déclarer des tiens alors que je vis comme eux, j'ai honte, Seigneur, de me comporter si souvent comme si tu ne m'avais pas pardonné, de retourner sans cesse à ce dont tu m'as délivré. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand me faudra-t-il être chrétien misérable, mendiant ta grâce quand personne ne me regarde, alors que j'aimerais tant la refléter dans mon quotidien ? Tout est grâce, tu me l'as dit et répété, mais le remords, qui n'est pas le pardon, a la vie dure. Alors, la grâce que je te demande aujourd'hui, c'est que ton pardon change ma vie, que ces autres qui me savent pécheur puissent aussi me reconnaître pécheur pardonné. Ainsi seront mes premiers pas sur le chemin de la liberté. Le prophète Ésaïe nous annonce cette parole du Seigneur sur notre condition de pécheur. Il annonce cette parole de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas et mon alliance avec toi ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te dis ma miséricorde. Renouvelés par ces paroles de pardon, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons en Dieu, notre Père, de qui vient toute chose et par qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous éclaire, nous console, nous régénère et nous sanctifie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Thank you.
Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, nous avons faim et soif de ton pardon. Nous avons faim et soif de ta présence. Nous avons faim et soif de ton amour. Nous sommes maintenant prêts à écouter ta parole qui rassasie, qui vivifie, qui renouvelle nos forces. Envoie sur chacun et chacune de nous le souffle de ton esprit, afin que nous prenions conscience de ta présence dans nos vies et que nous puissions accueillir la parole que tu nous destines aujourd'hui. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons les versets 19 à 23. Le soir de ce même jour, qui était le premier jour de la semaine,
Alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se tenaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amis, frères et sœurs, nous cheminons depuis 6 semaines dans l'ensemble des évangiles pour nous imprégner des récits qui suivent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous suivons les disciples tour à tour à Jérusalem, sur le chemin d'Emmaüs ou en Galilée au bord du lac de Tibériade. Nous les découvrons en relation avec leur maître ressuscité et chaque rencontre est originale. Le ressuscité les rejoint dans leur marche, se fait reconnaître par le geste du partage du pain ou encore par une pêche miraculeuse, puis disparaît. Indépendamment de l'ascension dont nous venons de nous souvenir il y a quelques jours et qui vient conclure la série des différentes apparitions de Jésus, nous retrouvons aujourd'hui les disciples le soir de Pâques qui vont faire l'expérience de cette nouvelle proximité de Jésus à leur côté. Selon la tradition évangélique, les différentes apparitions de Jésus ressuscité, d'abord aux femmes, puis au groupe des disciples rassemblés, jouent un rôle fondateur pour l'existence et l'avenir de l'Église primitive. Et même si ces récits se veulent apparemment soucieux d'une certaine chronologie, nous pouvons avoir la sensation d'une histoire discontinue. Cela nous rappelle que les évangiles ne sont pas un journal de bord écrit au quotidien, mais un témoignage tardif, a posteriori, pluriel, écrit par des disciples tous différents, qui ont pris le recul suffisant pour partager, de nombreuses années après les événements, l'affirmation de leur foi naissante. Dans cette courte narration que nous venons d'entendre, Jésus ressuscité vient rendre visite à ses disciples, sans doute au nombre de 10 ce soir-là, puisque Judas est mort, et il est précisé un peu plus loin dans le récit que Thomas est absent. Les portes de leur maison sont verrouillées, les disciples se sentent menacés. Et c'est une caractéristique des Juifs qui n'osaient pas encore se déclarer en faveur de Jésus. Ils sont donc doublement enfermés dans leur maison et dans leur angoisse. Et c'est dans ce milieu calfeutré que surgit Jésus. Aucune explication n'est donnée de cette situation extraordinaire. Jésus est là, tout simplement. Il salue ses disciples par ces mots « La paix soit avec vous ». Ce sont les premiers mots que le ressuscité adresse à ses disciples rassemblés. Ce n'est pas une salutation de politesse ni un vœu, mais plutôt l'accomplissement de cette promesse qu'il avait faite précédemment dans son discours d'adieu. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
La paix comme don de Dieu traverse les récits de la Bible comme étant un projet que Dieu poursuit inlassablement et s'accomplit à ce moment-là dans le ressuscité par sa présence insolite. Tout en parlant, Jésus leur montre ses mains et son côté. Il leur montre les traces de sa crucifixion. Jésus est là avec son propre corps, rappelant son humanité, mais transfiguré par la résurrection, inaugurant sa part divine. Et il semble bien que cette façon de voir Jésus ne soit réservée qu'aux disciples. Ils sont les témoins privilégiés de la promesse faite encore par Jésus avant de mourir. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. C'est la réalisation de cette promesse qui remplit les disciples de joie, de cette joie parfaite que nul ne leur ravira. La joie est ici synonyme d'un épanouissement lié à une expérience unique qui rejoint et comble les disciples dans leur attente. Cette apparition du ressuscité débouche sur une mission. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Pourtant, lors de son ministère terrestre, Jésus avait déjà envoyé les disciples en mission pour proclamer le règne de Dieu, guérir et chasser les démons. Ils étaient les ouvriers envoyés pour la moisson. Mais ici, cet envoi prend une autre dimension. Leur mandat s'enracine dans la mission que le Père a confiée à Jésus. Et Jésus étend aux disciples sa propre mission. C'est une seule et même mission qui se continue d'abord par les disciples qui sont en train de devenir des apôtres et qui se continuera par la suite à travers toutes les générations de croyants. Et les disciples d'hier, comme les croyants d'aujourd'hui, sont au bénéfice de la même promesse faite par Jésus, celle de ne pas être seuls dans l'accomplissement de leur mission. C'est alors que Jésus souffle sur ses disciples. Littéralement, il insuffle ses disciples et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est en quelque sorte déjà la Pentecôte pour les disciples le soir de la résurrection. Jésus envoie l'Esprit Saint à ses disciples dans un geste simple, celui du souffle, qui rappelle le geste primordial de la création de l'être humain dans le livre de la Genèse. D'ailleurs, le verbe grec pour traduire « souffler » ou « insuffler » est employé seulement trois fois dans la traduction grecque de la Bible, la Septante. La première fois dans le livre de la Genèse. Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. La seconde fois dans le livre de la Sagesse, rappelant que le Créateur a insufflé en l'homme un souffle qui fait vivre, faisant allusion à la vision des ossements desséchés qui reprennent vie selon le livre d'Ézéchiel. Et la troisième fois, dans ce passage de l'évangile de Jean, où les disciples sont en quelque sorte créés nouveaux. Ce souffle est celui qui les régénère d'une part, c'est leur résurrection, et leur permet de partir en mission d'autre part. C'est leur Pentecôte. Les disciples ne le savent pas encore, mais ils vont devoir apprendre à vivre sans la présence physique du ressuscité. L'Esprit est ce qui restera par la suite. Quand Jésus aura disparu de leurs yeux, qu'il sera devenu absent, c'est l'Esprit qui prendra le relais. En soufflant sur eux, il les ouvre à une liberté et à une confiance pleine et entière. C'est le ressuscité qui fait confiance à ses disciples et en disant cela, c'est Dieu qui fait confiance à l'homme. Et c'est sans doute cela la radicale nouveauté de l'Évangile, ainsi que l'écrivait le pasteur Louis Simon.
dans toutes les religions du monde, même chrétiennes, même protestantes. Dieu est toujours là où que l'on aille, omniprésent, inévitable, oppressant, incontournable. Rien ne lui échappe, il sait tout, il surveille tout, il contrôle tout. Or, pour Jésus, ce Dieu-là, c'est le faux Dieu. Car le Dieu véritable, c'est celui qui veut prendre du recul, non parce qu'il aurait cessé de nous aimer, mais au contraire, parce qu'il veut nous faire confiance et nous exercer à l'usage d'une liberté responsable. Il creuse devant nous une liberté possible et il nous fait confiance totalement. Fin de citation. Tel est le paradoxe de l'Évangile. C'est la parole prêchée, l'écriture des évangiles, le témoignage des disciples qui vont remplacer le fait d'avoir vu le Christ. Les disciples croient parce qu'ils ont vu, mais il va falloir continuer de croire même quand ils ne le verront plus et qu'ils trouvent le moyen de transmettre ce qu'ils auront compris de lui à des générations nouvelles qui, par la force des choses, ne connaîtront jamais physiquement le Christ. Le témoignage va donc reposer sur l'expérience spirituelle, qui elle-même va reposer sur la confiance, qui est l'autre mot de la foi. Et cette confiance est de taille. Elle réside dans les mots qui suivent. « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors cette mission peut paraître radicale au premier abord, mais elle n'a pas d'autre but que de rappeler que la mission des disciples, puis celle de l'Église, est d'annoncer le pardon de Dieu à tous et pour tous sans condition. Et cela va commencer par les disciples qui vont devoir apprendre à vivre de ce pardon pour eux-mêmes. Et c'est un pardon qui prendra du temps, qui sera renouvelé autant de fois qu'il y aura besoin. Parce que tous les êtres humains sont pécheurs sans exception, et que malgré notre adhésion dans la foi, nous sommes des récidivistes du péché. Peut-être parce que nous avons du mal à croire que ce pardon s'adresse à nous-mêmes et que nous avons du mal à en vivre. Cette mission s'enracine dans la parole du Christ « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements », qui déjà est un écho de ce que Dieu disait à son peuple dans le livre de Deutéronome « S'ils m'aiment, ils suivront mes commandements ». Alors Jésus va partir, il va laisser les disciples prendre leurs responsabilités petit à petit. Et par conséquent, il nous laisse prendre nos responsabilités, en particulier de rechercher ici et maintenant dans le monde qui est le nôtre, avec ces bouleversements liés à la pandémie, comment résonnent les paroles de Jésus quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ou « Je suis la résurrection et la vie » ou encore « Va ». Tes péchés sont pardonnés. Et comment ces paroles peuvent encore aider aujourd'hui au renouvellement de notre société. Mais au fond, c'est avec l'ensemble de toute la parole que nous avons toutes les cartes en main. La voix de Jésus va se taire, mais il laisse les paroles de la vie éternelle. Et comme l'écrit Gérard Deltheil, d'autres voix vont naître en écho de sa propre parole, non pas pour répéter, reproduire ce qu'il a dit, d'ailleurs, qui pourrait le faire, mais pour que résonne ce que sa parole a suscité, pour que se déploie le monde nouveau qu'il a ouvert. Ce n'est jamais sans lui qu'ils vont parler, et pourtant c'est bien leur parole à eux, leurs accents à eux, à chacun, chacune d'entre eux qui vont se faire entendre, sans lui et pourtant avec lui
grâce à lui. Fin de citation. Dans la foi qui est la nôtre, nous ne pourrons rien entreprendre sans nous relier à la parole ni au témoignage intérieur du Saint-Esprit, comme le précisait Calvin. Et l'Esprit-Saint est cette force invisible qui se manifeste de tant de façons, à la fois extraordinaire et éclatante, voire aveuglante, comme un jour pour Paul sur le chemin de Damas, ou alors de façon discrète, douce et sensible, voire dans la fragilité de chacun, faisant naître chacun à une vie nouvelle, autrement dit, à une vie dans le discernement et une nouvelle compréhension des êtres et des événements. Amen. L'Oratoire du Louvre reste en contact avec vous. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet oratoiredulouvre.fr. Vous y trouverez des méditations, des prières, des contenus pour les enfants et chaque semaine le culte en version audio ou vidéo ou en texte imprimable. Vous pouvez aussi envoyer un message sur l'adresse suivante accueil@oratoiredulouvre.fr et demander à être abonné à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Le temple et la maison presbytérale restent fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Mais nous aurons sans doute bientôt des nouvelles pour savoir ce que nous allons pouvoir faire pour nous réunir les uns avec les autres et vous serez tenus au courant, bien sûr, dans les plus brefs délais possibles. En ce dimanche, je vous invite à faire votre offrande pour cette église, comme si vous étiez au temple, comme si vous veniez d'entendre dans ces murs la prédication que nous a offerte Agnès ce matin. Et vous pouvez faire ce don en cliquant sur « Faire un don » en bas de page du site oratoiredulouvre.fr. Maintenant, c'est une période de déconfinement. Nous allons pouvoir nous rassembler bientôt, mais il ne faut pas oublier de soutenir notre communauté pour que nous puissions continuer à être chaque dimanche avec vous et avec tous ceux qui ont besoin de l'Église. Pour terminer ce culte, nous allons prier ensemble et c'est Agnès qui nous conduit dans la prière.
Éternel, Dieu de la vie, nous te remercions pour ce culte qui nous rassemble dans un même élan, un même souffle. Merci pour ta parole de vie qui nous rejoint fidèlement au cœur d'un monde incertain. Nous te confions les familles en deuil d'un être cher sans avoir pu l'accompagner comme elles le souhaitaient. Donne-leur ton souffle. Nous te confions les malades, les isolés, les personnes détenues, celles et ceux qui sont obligés de vivre à l'écart, cloîtrés, confinés. Donne-leur ton souffle. Nous te confions celles et ceux qui travaillent sans se relâcher à soigner, guérir, écouter, accompagner, nourrir, rassurer, consoler, encourager. Donne-leur ton souffle. Nous te confions celles et ceux qui pensent à une nouvelle manière de vivre ensemble, celles et ceux qui recherchent un vaccin, celles et ceux qui réfléchissent à une autre économie solidaire des hommes et de la terre. Donne-leur ton souffle. Nous te confions les personnes qui ont demandé le secours de notre prière et nous te les nommons dans le profond de nos cœurs. Donne-leur ton souffle. Rappelle-nous que ce souffle que Jésus a donné à ses disciples, calfeutrés, nous est donné à nous aujourd'hui, afin que nous soyons les témoins de ton amour et les innovateurs de ton règne, là où tu nous as placés. Et ensemble, avec Béatrice, et liés les uns aux autres malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ne crains rien, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mon frère, ma sœur, mon ami, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi sa face et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Amen.